Salut champion, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Foot Détermination. Tu vas reculer avec ta semelle comme ça, et soudainement tu vas avancer vers l'avant pour accélérer et le prendre de vitesse. Tu ramènes le ballon vers toi avec ta semelle, comme ça, et avec ton pied opposé, tu avances avec le ballon pour dribbler le défenseur. Le ballon est à mi-hauteur. Ce que tu vas faire, c'est laisser un rebond et faire passer le ballon derrière ta jambe d'appui, comme ceci, pour dribbler directement le défenseur, accélérer. Tu vas garder le ballon comme ça, sous ta semelle, ramener le ballon vers toi comme ceci, au moment où le défenseur va mettre son pied, tu lui fais un grand pont, tu le contournes et tu accélères. Tu vas faire un râteau en ramenant le ballon d'abord vers toi avec ta semelle, comme ça, le passer derrière ta jambe d'appui, et ensuite tu vas faire un grand pont, comme ça, pour contourner le défenseur, récupérer le ballon et aller de l'avant. Dans un premier temps, tu vas faire un crochet intérieur comme ceci. Sans même poser le pied par terre, tu vas faire un crochet extérieur, contourner le défenseur et récupérer le ballon. Tu reçois une passe de ton coéquipier, tu es dos au jeu. Tu vas faire dans un premier temps un contrôle. Au même moment où tu fais ton contrôle, tu fais une feinte de corps dans la fausse direction, ce qui va te permettre de dribbler le défenseur et aller de l'autre côté. Te retourner en faisant un pivot sur toi-même, avec la semelle de ton pied fort, ramener comme ça, en deux temps, 1, 2, et aller vers l'avant. Deux défenseurs veulent te prendre en sandwich, donc toi tu vas avoir pour objectif de passer entre les deux défenseurs. Donc pour réussir ce geste, tu vas d'abord faire un crochet intérieur comme ça, puis extérieur pour passer entre les défenseurs. Tu reçois une passe longue de ton coéquipier. À réception du ballon, tu vas faire un contrôle de la cuisse. Pour éviter le pressing du défenseur qui veut t'intercepter le ballon, tu vas enchaîner avec un double contact, comme ceci, pour éviter le défenseur et aller de l'avant. Il y a un défenseur juste en face de toi qui veut t'intercepter ton tir. Donc pour l'éliminer, tu vas faire une feinte de frappe et garder le ballon dans les pieds pour te permettre d'avancer et enchaîner un tir au but. Merci champion. Si tu veux progresser plus vite, tu peux télécharger ton cadeau offert en description. 30 exercices fondamentaux à maîtriser au football. Bon entraînement champion. Force !